C'est la seule école en France et même en Europe qui forme des chiens guides et les offre à des enfants malvoyants. La fondation Frédéric Gaillane dans le Vaucluse, où notre journaliste Asma Mennana a rencontré Manon, une adolescente de 15 ans, non-voyante, en stage dans ce centre. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous avions rencontré Manon à Lyon. Suite à une tumeur au cerveau à l'âge de 5 ans, Manon a perdu la vue et est devenue hémiplégique. Le docteur Afif l'a alors opérée du bras pour qu'elle puisse bénéficier d'un chien guide. C'est une opération au niveau des nerfs périphériques, au niveau du membre supérieur gauche. Le but, c'est pour avoir la souplesse et libérer la force musculaire qui existe. L'intervention chirurgicale fut une réussite et Manon est actuellement en stage au sein de la seule école européenne qui offre des chiens guides à de jeunes mineurs. Au next ? Ok, donc là je viens de passer un obstacle, un passage étroit. Au next, en avant. C'est toi qui guides ton chien ? Oui. Enfin, en fait, lui il me guide, mais moi je lui donne les ordres en fait. Je lui dis au passage, au next, au passage. Passage en avant, à droite, à gauche. Je suis avec Frédéric Gaillane, qui est le fondateur de cette école. Vous l'avez créée il y a maintenant 13 ans. Pourquoi ? Les enfants, pour moi, j'ai considéré que c'était une double peine du fait que, d'une part, ils portent l'handicap visuel qui est lourd et en même temps, on leur donnait pas le choix entre la canne blanche et le chien guide. Au programme aujourd'hui, un exercice d'obéissance. Au pied, Onyx ! Et un entraînement dans les rues du village créé au cœur de l'école. Super, Onyx ! Onyx, ce pied reste. Au cours du stage, chaque jeune apprend à se déplacer avec son chien guide sur différents parcours, comme par exemple à la gare. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur une gare ? Ok. Oui, donc du danger. D'accord ? Donc attention aux mouvements de foule, attention aux attroupements. Quand on est à l'escalier, on fait 3-4 pas, on arrive au bord du quai aussi. Ok ? C'est important de leur montrer le parcours une première fois sans chien ? De connaître là où ils vont, ça rassure et ça permet qu'ils soient bien concentrés quand ils auront le chien en main. La rambarde, d'accord ? Onyx à la chaise ! Allez, Onyx à la chaise ! C'est quoi la différence entre la canne et le chien guide ? Avec le chien, je suis beaucoup plus en confiance et en sécurité lors de mes déplacements. Ça change aussi énormément le regard des autres. Même au lycée, enfin, c'est des petits trucs de rien, mais rien que le fait de demander comment le chien s'appelle, d'où c'est qu'il vient, tout ça, ça peut créer une discussion et ils peuvent voir qu'on est des gens comme les autres. Et voilà, enfin, je me suis fait quelques amis comme ça. L'école vit uniquement de dons. En moyenne, un chien guide coûte 25 000 euros et Manon pourra le garder pendant 8 ans avant qu'il ne prenne sa retraite.